et qui se retrouvent ici pour prier, à la fois la paix dans le monde, la paix dans notre pays, pour prier et confier à la miséricorde divine toutes celles et tous ceux qui sont morts pour la patrie. Et je l'ai dit, nous héritons de cette liberté, liberté chérie, mais qui nous chère. Donc nous allons les porter tout à l'heure dans la prière, notamment au mémorial des défunts. Au Seigneur, et je suis sûr que le Seigneur saura les accueillir. Car lorsqu'on donne tout, on reçoit tout. C'est aujourd'hui aussi la fête du Christ roi. Thank you.
Dieu éternel, tu as voulu fonder toutes choses en ton Fils bien-aimé, le roi de l'univers. Fais que toute la création libérée de la servitude reconnaisse ta puissance et te glorifie sans fin. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Du livre du prophète Daniel. Moi, Daniel, je regardais au cours des visions de la nuit, et je voyais venir avec les nuées du ciel comme un fils d'homme. Il parvint jusqu'au vieillard, et on le vit avancer devant lui. Il lui fut donné domination, gloire et royauté. Tous les peuples, toutes les nations, et les gens de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et sa royauté, une royauté qui ne sera pas détruite. Parole du Seigneur.
En ce temps-là, Pilate appela Jésus et dit : Es-tu le roi des Juifs ? Jésus lui demanda : Dis-tu cela de toi-même, ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet ? Pilate répondit : Est-ce que je suis juif, moi ? La nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu de mon souhait ? Jésus déclara : Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. Pilate lui dit alors : Tu es roi ? Jésus répondit : C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci : rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. Acclamons la parole de Dieu. Comme je vous le disais au début de l'Eucharistie, notre année liturgique s'achève avec la contemplation du Christ, le roi de l'univers. Cette fête est comme une récapitulation de toutes les fêtes. Elle nous introduit dans le royaume qui n'est pas de ce monde. Ou si vous voulez, elle nous met ce matin dans le cœur de Dieu. Le livre de l'Apocalypse nous développe ce dessein d'amour. Mais pourquoi le Christ est-il notre roi ? Tout d'abord, il est ce témoin fidèle de notre Dieu qui est riche en miséricorde. Il est la plénitude de la révélation. Il est venu pour nous dévoiler l'invisible, c'est-à-dire le visage de celui qui est sans visage. Oui, le Christ est bienvenu dans notre monde pour nous parler de son Père. Dieu est amour. L'enseignement du Christ, ses miracles, ses regards, ses rencontres, sa passion, sa résurrection, tout nous parle du mystère de Dieu. Le Christ ensuite est le premier-né d'entre les morts. Attention, le Fils est Fils de toute éternité, car le Père est Père de toute éternité. Et si le Fils est envoyé dans le monde, c'est précisément pour nous sauver. Et à Noël, nous fêterons la naissance de ce petit enfant, le Fils. Et c'est pourquoi le Fils est vraiment Dieu et vraiment homme. Il est, comme on dit dans notre credo, en latin et la semaine prochaine en français, puisqu'on va changer un petit peu la traduction. Oui, il est consubstantiel au Père. Enfin, il est le prince des rois de la terre. Son pouvoir, il l'a reçu de son Père. Et tout roi sur terre, au moins les rois chrétiens, savent que cette fonction est d'abord un don de Dieu. Ils sont à l'image du roi de lui-même. Alors, quel est ce dessein d'amour ? À lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume et des prêtres pour son Dieu et Père. Oui, le Seigneur est d'abord celui qui nous aime, et il nous aime comme nous sommes, même avec nos histoires de péché. Mais en nous délivrant de nos péchés, il nous donne cette grâce de sainteté. Et Dieu sait que notre monde a besoin de cette grâce de sainteté. Nous transformerons le monde par la sainteté. Par le baptême, rappelez-vous,
Nous participons à la triple fonction du Christ. Nous sommes prêtres, prophètes et rois. Oui, nous sommes un peuple de prêtres. Nous participons au sacerdoce du Christ. Ce sacerdoce commun que nous avons tous, nous pouvons l'exercer grâce au sacerdoce ministériel qui est le sacerdoce des prêtres. Mais en quoi consiste ce sacerdoce commun à devenir vivante offrande à la louange de Dieu le Père? Voilà notre vocation au bonheur. Plus vous serez louange, plus vous serez dans la joie intérieure. Dans ce bonheur, avec le Christ, nous présentons au Père tous les cris du monde grâce à l'Eucharistie. Nous sommes aussi un peuple de prophètes, habités par le Christ. C'est bien lui qui parle à travers nous. Mais il faut peut-être se laisser habiter par la parole de Dieu, par la parole du Christ. Enfin, nous sommes un peuple de rois, au service de ce royaume. Il s'agit de transformer ce monde en royaume d'amour. Partager cette opinion, il y a encore du travail. Alors, es-tu roi? C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité écoute ma voix. En cette fête du Christ roi, renouvelons notre attachement à la vérité divine. Surtout, faisons grandir notre désir d'entrer dans ce royaume du Père où tout est grâce. Amen.
Seigneur, nous nous souvenons des combattants de toutes les guerres. Nous te rendons grâce pour les hommes et les femmes de notre pays qui, au service de la paix, risquent aujourd'hui leur vie pour nos concitoyens. Nous te prions pour celles et ceux qui ont été blessés ou tués dans des attentats ou sur des théâtres d'opérations extérieures. Jésus, toi,
Thank you.
l'ensemble des solides de la maîtrise pour la messe de Cantra à Mayo-Bacchini. Ils ont interprété ainsi que le tout domaine de Victoria pour nous permettre d'entrer un peu plus dans le royaume du Père et tout au moins nous donner un avant-goût parce que vous avez dit, il faut faire grandir ce désir d'être avec le Père dans son cœur. Encore merci à vous tous d'être là pour notre belle célébration du dimanche, la célébration du Seigneur, c'est la célébration de la résurrection du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu tout-puissant, le Père et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix.